par Alden Anguille, mon frère bien-aimé, qui est parti pour trop tôt. Il est surnaturel, il n'est pas normal. Il est surnaturel, il n'est pas normal. La musique vous dit qui est Dieu. Il n'est pas normal. Extraordinaire, yeah! Ok, remercions Dieu un peu ici, là. J'ai regardé un peu la musique païenne hier, j'ai écouté et j'ai regardé la vidéo. Ça affecte, ok, ceux qui ne savent pas.
ça affecte les musiques païennes, ça affecte les gens dans le sens négatif, ok? Et la musique chrétienne, ça affecte les gens dans le sens positif, ok? Ça vous affecte, ok? Là-bas, on reçoit chez la musique païenne, on reçoit les esprits impurs. C'est comme ça. Et la musique chrétienne, ça te bénit. Ça aide ton âme. C'est un peu ça pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne parle pas de la musique. Pour Haïti, merci. Pour ce temps merveilleux qui est ma vie, je te suis reconnaissante à l'infini. Je veux oublier tous mes soucis et chanter la joie qui me remplit. Ton amour, oh Dieu, me ravit. Là où tout son échoué, tu as réussi. Les inquiétudes au Seigneur m'avaient envahi. Et tu as dit que mon effort est fini. Nous voulons te dire merci. Ta bonté te dit merci. La musique chrétienne t'amène à glorifier Dieu, à lui dire combien il est bon, combien de fois tu l'aimes. Et la musique païenne, ça te rapproche du diable. Ça te rapproche du diable. Tu te glorifies toi-même, ok? Et il n'y a rien là-bas. C'est les démons, c'est les esprits impurs. Ici, là, ça te rend intelligent. Vous voyez, c'est la musique chrétienne, ça te fortifie. Quand tu es désespéré, ça t'aide. Ok? Donc, c'est un peu ça. Ma destinée. Ici, on est là pour glorifier Dieu. Je t'ai considéré comme un testiféré. C'est toi, Seigneur, qui m'a récupéré. Nous voulons te dire merci. Merci. Notre reconnaissance, Seigneur. Notre reconnaissance, Seigneur. Poussé par l'esprit, uni comme un seul homme. Merci. Merci pour ce qui n'a soufflé de mon ami, oui, mon peuple. Oh, Dieu des miracles, reste fidèle. Merci. C'est une gloire, c'est une grâce, c'est une bénédiction pour louer Dieu. Ce privilège-là n'est pas donné à tout le monde. C'est une gloire, c'est une grâce. Ce privilège n'est pas donné à tout le monde.
C'est pour cela qu'on voit les gens louer le diable. Ok? C'est Dieu lui-même qui te montre qui il est et en plus qui te donne l'envie, qui te fait grâce pour le reconnaître, pour le louer. C'est Dieu lui-même qui fait tout ça là. S'il ne t'a pas encore retiré du péché, s'il n'a pas encore ouvert tes yeux, tu ne pourras pas le louer. Tu ne pourras pas le glorifier ni l'adorer. C'est Dieu lui-même qui fait tout ça. Ok, que Dieu vous bénisse. Je vais parler un peu des appelés, ok? Je vais parler de quelque chose. Pour préciser quelque chose, parce que souvent les gens m'attendent dire, les gens ils attendent, merci Seigneur que tu prends le contrôle de tout, merci Saint-Esprit pour tout, merci pour ta puissance, pour ta gloire. Aide-moi à rester dans le message. Merci, 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 merci. Éloigne tous les gens qui vont déranger. Merci. Merci Père, au nom de Jésus, amen. Ok, donc, vous allez me voir souvent dire, moi, je ne dis pas aux gens de partager mes vidéos, ok? Je ne dis pas. Si j'ai une fois fait, je ne sais pas si je l'ai fait, peut-être. Si je l'ai fait, ça, c'est pas dans plusieurs vidéos, peut-être une vidéo. Je ne me rappelle pas si j'ai une fois fait ça. Okay? Si j'ai une fois dit partager mes vidéos. Je dis que je ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que, vous savez, on n'est pas même chose, ok? Ce n'est pas pour me glorifier, ce n'est pas pour m'inventer. Ce sont des choses que j'ai appris avec Dieu, ok? J'ai appris des choses et c'est pour cela que je dis ça. Ce n'est pas venu comme ça, je ne parle pas pour rien, c'est pas pour dénigrer quelqu'un et j'aime partager les vidéos des gens. Je fais ça. C'est normal de partager les vidéos des gens. C'est normal de dire aux gens. Je parle de ceux qui le font. C'est normal qu'ils fassent ça. C'est normal de dire aux gens, partagez dans ce groupe, partagez ici. C'est normal, c'est pas mauvais, c'est pas méchant. C'est bon. C'est bon de le faire. Ok? C'est bon. Mais si tu m'as entendu dire, moi je ne fais pas ça, j'ai des raisons. Je sais pourquoi. Et lorsque Dieu te montre, la parole dit, on demande plus de compte à celui qu'on a plus donné. On n'est pas même chose. On demande plus de compte à celui qu'on a plus donné. Plus de compte. Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il a parlé avec Dieu face à face. Vous voyez? Donc moi, mes expériences là, ce que j'ai vu là, c'est comme si j'ai vu Dieu face à face. Ok? C'est pas du jeu. Donc, il y a des choses que je ne me permets pas, quoi. Il y a des choses que, ben, c'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Il y a des choses, ce n'est pas mon niveau. Il y a des choses, ce n'est pas pour moi. Donc, je veux préciser et parler. Je parle comme ça pour aider les gens parce que lorsque tu m'attends, dis ça. C'est pas parce que je condamne ceux qui le font, hein. Non. C'est parce que j'ai vu quelque chose. Je ne condamne pas ceux qui le font. Et si tu le fais, que tu m'as entendu parler, continue de faire ce que tu fais. Parce qu'on n'est pas même chose. Moi, j'ai quitté mon travail. Ok?
quelqu'un qui n'est pas sûr de Dieu, est-ce qu'il va quitter son travail? Quelqu'un qui ne connaît pas vraiment Dieu, est-ce qu'il va quitter son boulot? On me paye chaque semaine. Donc, ce n'est pas du jeu. OK? Donc, il faut s'assurer. Parce que lorsque tu vas m'entendre dire ça, moi, je veux seulement venir éclairer ça là, OK? Lorsque tu m'entends dire ça, si toi, tu faisais des vidéos et tu vas te sentir mal et puis tu vas commencer à faire ça. Non, ne fais pas ça. On n'est pas même chose, ne fais pas ça. Continue, si Dieu te convainc, si c'est Dieu qui t'a convaincu, si c'est Dieu qui te convainc de ne plus dire aux gens, ça va. Si Dieu t'a parlé, ça va. Moi, Dieu ne m'a pas parlé, mais il m'a montré quelque chose. Il ne m'a pas parlé, il m'a montré quelque chose. C'est pour ça que je dis, on demande plus de compte à celui qu'on a beaucoup donné. OK? Donc, Moïse ne pouvait pas se permettre de faire des choses. OK? OK? Dieu lui a dit de parler au rocher. Il a frappé. Il a frappé au lieu de parole. Pour cette raison-là, Dieu lui a dit, tu ne vas pas rentrer à Canaan. OK? Dieu lui interdit, il dit, tu ne rentreras pas, tu vas mourir ici. OK? Donc, c'est la même chose. Il y a des choses quand Dieu lui-même, il sait que si il ne m'avait pas montré ça là, j'allais investir Facebook là, j'allais payer. Si Dieu ne m'avait pas montré ce qu'il m'a montré, c'est à cause de ça qu'il m'a montré vite. Ce qu'il m'a montré, oh, aujourd'hui je ne dis pas aux gens partager. Il m'a montré quelque chose. S'il ne m'avait pas montré, je suis capable de donner 10 000 cash. Je suis capable de le faire. Et je peux le faire calmement. Je peux payer Facebook. OK? Je peux payer Facebook. Il n'y a pas de problème. C'est pour cela qu'il m'a montré rapidement pour lui. Pour que je fasse attention. Pour ne pas rentrer. C'est pour cela que Dieu m'a montré ça. OK? Donc, ce n'est pas tout le monde. Et la bénédiction, c'est un peu, il y a un peu de différence, quoi. Il y en a ceux qui ont quitté. Moi, j'ai quitté pour le royaume de Dieu. J'ai quitté pour Dieu. J'ai quitté mon travail. Donc, les gens qui ont quitté pour la gloire de Dieu, là, leur bénédiction, là, ce n'est pas la même chose avec quelqu'un qui travaille et qui sert Dieu. C'est pas la même chose avec la personne qui continue de travailler et qui est en train de servir Dieu. C'est pas la même chose que la personne qui fait commerce et qui est en train... Non. Quand tu quittes, tu as tout laissé pour Dieu. Là. Il y avait une musique là même. Peut-être c'était ça que je devais mettre. OK? C'est comme j'ai. C'est la musique là d'où... la musique là, je dis d'où. La musique là dit, j'ai tout laissé. J'essaie de me rappeler de la musique. Ma vie ne m'appartient plus. J'ai tout donné ma vie à Dieu. C'est ça. On laisse tout pour suivre Dieu. Quand tu arrives à un nouveau, tu as tout laissé, l'argent. Tu as tout laissé, ta bénédiction. C'est pas la même chose. Hein? Donc, ne vous comparez pas avec les gens qui ont tout laissé pour suivre Dieu. C'est pour cela que Dieu peut leur montrer des choses qu'il ne montre pas à tout le monde. OK? Dieu peut montrer des choses qu'il ne montre pas à tout le monde. Il le montre à celui qui a laissé. Et cette musique-là, quand je l'écoutais, c'était en 2012, 2013, je pleurais comme ça. Je pleurais. OK? C'est une façon de je sais pas, il y a quelque chose qui se passait. OK? Ma vie ne m'appartient plus. Ma vie est à Dieu. C'est ce que la musique l'a dit. OK? Ma vie ne m'appartient plus. Tout ce que je fais, mon argent ne m'appartient plus. Quand tu arrives à ce stade-là, Dieu te montre des choses. Hein? Et ce n'est pas tout le monde. Donc, quand je dis, moi, je ne dis pas aux gens de partager, là. Ne vous comparez pas avec moi, OK? Dites aux gens, si vous n'avez pas tout laissé, là, dites aux gens, partagez dans 5 groupes, partagez, faites ça. C'est bon, OK? Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas méchant.
il faut le faire. Je voulais préciser ça. Et voici ce que la parole dit. J'ai fait cette vidéo-là, ça fait, je reprends cette vidéo-là. J'avais déjà parlé de ça. Je vais reprendre, de temps en temps, je vais reprendre. Parce que de temps en temps, je dis ça. Et ben, peut-être, ok, donc, peut-être ça mélange un peu les gens. Donc, de temps en temps, je vais revenir pour dire aux gens, ben, on n'est pas même chose. On n'est même pas même chose, ok. Donc, voici ça. C'est toujours dans Matthieu où j'ai lu le jeune homme riche, ok. Donc, je ne vais pas tout reprendre, ou bien je ne sais pas si je dois reprendre. Ok. Ok, je vais reprendre la partie où c'est Matthieu 16, verset 21. J'ai obéi à tous ces commandements. Que dois-je faire encore? Si tu veux être parfait, lui dit Jésus. Ok, c'est quelqu'un qui veut devenir riche. Ok, j'ai déjà lu cette, j'ai lu ça, mais je reprends ça pour arriver là où je veux être. Ok. Ok, si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Mais quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Jésus dit alors à ses disciples, merci Saint-Esprit pour cette parole qui est la vérité. Merci pour ta parole, merci pour tout, nom Jésus. Amen. Ok? Ok, Jésus dit alors, ok, c'est la partie là, ok? Jésus dit alors à ses disciples, ceux qui sont avec lui. Par exemple, moi, je suis en train de servir Dieu. Ok, ceux qui sont avec Jésus, les disciples. Jésus dit alors à ses disciples, je vous le déclare, c'est la vérité. Il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et je vous le déclare encore ceci, il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Ok? Mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples entendirent ces mots, ils furent très étonnés et dirent, ok? Mais qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, c'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Alors Pierre prit la parole. Écoute, lui dit-il. Ok? Pierre lui regarda et dit, écoute, lui dit-il. Nous avons tout quitté pour te suivre, c'est comme moi. Nous avons tout quitté. Celui qui quitte, celui qui a tout laissé, son travail. Ok? Les propositions sataniques, la gloire du diable, les choses du monde. Celui qui a tout laissé, son travail, ce qu'il gagnait, qui a tout laissé et qui est en train de suivre Jésus. Ok? Donc, écoutez très bien. Sa bénédiction, là, ce n'est pas même chose avec celui qui n'a rien laissé encore. Ok? Donc, écoute, lui dit-il, nous avons tout quitté pour te suivre. Ok? Que se passera-t-il pour nous? Jésus leur dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Quand le Fils de l'homme siégera sur son trône glorieux, dans le monde nouveau, vous les douze qui m'avez suivi siégerez également sur les trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Et vous tous qui aurez quitté, ok? Et vous tous qui aurez quitté pour moi. Vous tous qui aurez quitté pour moi, quand tu quittes pour Jésus,
leur maison. Nous, on a, moi, j'ai tout laissé. Si je rentre même dans les détails, vous allez ouvrir votre bouche et dire, hein, c'est pas du jeu. Ce n'est même pas du jeu. Ton argent, là, ce n'est plus pour toi. OK? Donc, et tous ceux qui auront quitté pour moi leur maison, OK? Ou leurs frères, leurs sœurs. La fois passée, mon mari me disait, allons, il a regardé les îles, là, il a vu l'autre. Lui plaisait, il me disait, Chantal, allons vivre là-bas. OK? Là-bas, c'est beau, c'est ça. Mais je ne peux pas le suivre là-bas. Je peux aller en vacances, revenir, mais aller habiter là-bas. Si Dieu ne m'a pas dit d'aller, je ne peux pas. Donc, je ne peux pas accepter. Vous voyez? C'est quand tu quittes là, tu es comme ça. OK? Donc, je continue. Et tous ceux qui auront quitté pour moi leur maison ou leurs frères, leurs sœurs. Moi, j'ai eu des persécutions dans la famille. J'ai eu ça. J'ai traversé ça. J'ai traversé beaucoup d'épreuves. Quand tu quittes là, c'est pas du jeu, hein? OK? Donc, et tous ceux qui auront quitté pour moi leur maison ou leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères, leurs enfants, leurs champs recevront. Vous avez entendu? C'est la bénédiction qu'ils recevront. Tous ceux qui ont quitté. Recevront 100 fois. OK? Plus. Et auront pas à la vie éternelle. Tous ceux. OK, je reprends la partie là. OK? Et tous ceux qui auront quitté pour moi leur maison ou leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères. Il y a des combats. Il y a des combats qui se lèvent comme ça. Pour rien comme ça, on t'attaque. Pour rien, à cause de la gloire de Dieu. Moi, j'ai été persécutée. OK, je ne dis pas ça pour ce qui est sûr. Dieu m'a béni. Je parle de ça pour vous dire. Lorsque tu quittes, on te persécute. Donc, ce n'est pas du jeu. Leurs champs recevront 100 fois plus et auront pas à la vie éternelle. OK? Recevront 100 fois. Même beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers et beaucoup qui sont maintenant les premiers seront... OK? Même beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers et beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers. OK, tout simplement pour vous dire que la personne qui quitte pour la gloire et la personne qui n'a pas encore quitté là, c'est pas la même chose. On vient de lire la Bible, je viens juste de lire la Bible qui nous dit que celui qui quitte recevra 100 fois bénédiction, recevra 100 fois, c'est différent. C'est pas la même chose. Donc, il y a des choses que Dieu m'a montrées. Et ça ne sera... OK, j'ai vu ça. J'ai vu ça. S'il ne m'avait pas montré, j'allais faire des dégâts. J'allais faire autre chose. J'allais dépenser 10 000 dans les publicités. J'allais gaspiller l'argent où il ne faut pas gaspiller. OK, c'est pour cela qu'il m'a montré. Donc, c'est pour cela, ça, moi, je ne sais pas, je suis bénie, quoi. Je suis trop bénie. Donc, non, je ne suis pas à ce niveau où... Non, je ne suis pas là, mais je respecte ceux qui le font. Je les respecte. OK, c'est quand tu quittes que Dieu te montre. C'est lorsque tu as quitté. Il y en a, ils n'ont pas encore quitté. Il y en a, ils sont attachés à l'argent. Moi, là, je vous ai dit, je peux voir des milliards, tant même, il faut mettre même. Même Satan, même, il m'a proposé la magie. J'ai dit non à la magie. J'ai dit non à la magie. Donc, c'est pas... Non. Vous voyez? Donc, c'est ça, quoi.
c'est pas la même chose. C'est quand tu quittes. Si vous savez, quelqu'un veut être béni vraiment, là, la bénédiction, tu peux travailler et puis Dieu peut te bénir. Mais c'est comme des miettes. Ok, c'est pas la vraie bénédiction. La vraie bénédiction, c'est quand tu quittes. Ok, ici en haut. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de la bénédiction. Ce n'est pas de ça que je vais parler. Ici, ils ont dit aux riches, va vendre. On laisse tout. Va vendre tout ce que tu possèdes, dont l'argent pauvre. C'est ça. Là, tu vas recevoir pour Dieu. Quand tu quittes tout, vous voyez, c'est là que tu vas recevoir la vraie chose. Là. Sinon, ce sont des miettes. Ce sont des miettes. Ce sont des miettes. Donc, moi, là, j'ai vu des choses et on peut dire, je n'ai pas vu Dieu avec mes yeux. Parce que quand il te parle et puis tu l'entends comme ça, là, comme je suis en train de parler avec vous, c'est comme ça Dieu me parle. Ok, c'est comme ça Dieu me parle. Donc, c'est pas la même chose, quoi. C'est pour cela. C'est comme ça il me parle et il y a des choses qu'il me montre comme ça et je dis wow, vous voyez, donc c'est un peu différent. Ok, ben bref, je finis ce message là, je vais passer à autre chose. Ok, donc si Dieu ne t'a pas encore montré des choses, continue de faire ce que tu as à faire. Si tu peux dire aux gens, partager les vidéos, si tu sais Dieu, continue de dire aux gens, partager dans les groupes, continue de faire ça là. Parce qu'il ne t'a pas encore montré ce qu'il m'a montré, ok? Donc, continue de faire ça. Si tu veux savoir pourquoi je dis ça, ben, il faut écouter mes vidéos, ok? Écoute mes vidéos. Et moi, je le dis parce que j'ai tout laissé, quoi. C'est ça. J'ai tout laissé pour Dieu. Donc, c'est un peu ça. Et ce que je veux dire, parce que si tu suis quelqu'un, par exemple... C'est comme un bateau, ok? Tu as seulement suivi quelqu'un qui est en train de rentrer dans un bateau et tu es rentré dans le bateau sans même le ticket, rien du tout. Tu as suivi quelqu'un, ok? Comme ça. Et puis tu es rentré dans le bateau et tu n'as pas d'équipe, tu n'as pas de... Ok, je vais enlever ça. Je n'ai pas de bruit ici. Ok, tu n'as pas de... de tickets. Après, lorsque les contrôleurs ils sont en train de vérifier, tu as occupé une place qui n'est pas à toi. Ok? Tu es rentré dans le bateau. Quand moi je dis, moi je suis quelqu'un, ben, je ne fais pas ça. Et tu as écouté, tu as suivi la personne sans comprendre pourquoi. Et c'est comme un bateau, tu es rentré dans le bateau, tu es là. Et après, on vient contrôler. On te dit, où est ton ticket? Tu es en train d'occuper une place qui est pour quelqu'un d'autre. Tu es obligé de descendre. Ils vont te faire descendre. Pourquoi? Parce que tu n'as rien compris au fait. Tu as suivi les gens sans comprendre. Donc, il faut savoir pourquoi je dis ça. Lorsque je dis,